Et nous revoilà donc à la salle Michel Vrignot. On va bientôt assister au troisième quart-temps. Troisième quart-temps qui va être disputé parce qu'au vu de ce qu'on a vu en première mi-temps, eh bien, y a de l'enjeu. C'est le derby chalandais, le derby vendéen, pardon, où Chaland accueille les Sables. Le vrai derby vendéen. Vous êtes sur les antennes de Télé Vendée pour cette deuxième rencontre. Et tout d'abord, on va parler un petit peu et rapidement d'un petit visuel qui parle notamment des Jeux Olympiques, puisque Chaland est ville organisatrice, ville partenaire. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on va assister donc au début de ce troisième quart-temps, Benjamin, avec un match engagé, hein, même si Chaland avait viré en tête au premier quart-temps avec plus 9. Les Sablés ont réussi à revenir dans le deuxième, et c'est une autre affaire. Il n'y a plus que 4 points d'avance, le VCB qui mène 42, les Sables 38. Et on va assister. Avantage Sébastien côté Sablais au niveau de l'adresse au tir d'une manière générale et notamment à 3 points. Et Chalandais s'en sortent un petit peu mieux en dominant le rebond, notamment le rebond off. Voilà ce qu'on peut dire globalement, et aussi en mettant un petit peu plus de points dans la raquette. Ouais, on a été sanctionné déjà deux fois, voilà, alors là complètement oublié à l'intérieur. On a été sanctionné notamment deux ou trois fois dans le corner par notamment Thibaut Alexis. Il ne faudra pas refaire cette erreur. Qu'on fasse une erreur une fois, ou d'accord, deux fois ça peut passer, mais quand ça devient répétitif, c'est plus une erreur. C'est un fait de jeu qui peut vraiment sanctionner les Chalandais. Davis qui va essayer de trouver l'intérieur, c'est compliqué, il est écarté, oula, qui a fini, balancé, mais il n'est même pas sifflé. Et la non, petite Périne qui traîne. Marc Gosselin qui est revenu mettre la claquette. On va attendre un peu là, le temps que Davis retrouve un peu ses esprits, parce qu'il a bien été poussé quand même. Ouais, de toute façon, je vais dire Manor Lax qui a aussi deux fautes. Hein, il va falloir gérer les fautes côté Sablé, avec deux fautes pour Manor Lax, deux fautes pour Thomas Klein et Oukaouba également deux fautes. Qui veut dire que si Grégory Lossor ne revient pas sur le terrain, je pense que c'est lié en fait à sa chute de tout à l'heure en première mi-temps. Un problème au genou, semble-t-il. Oui, vraisemblablement. Ballon je pense qu'on le reverra pas. Non, ballon récupéré par Oukaouba. Oukaouba face à Paul Turpin. Faut pas laisser shooter, faut pas lui laisser l'espace. En fait, faut rien lui laisser. Ouais, bien défendu là, voilà, par Jérémy Bichard qui était venu dans l'aide. Rachad Davis qui va retrouver Jérémy Bichard, mais. Ouais, elle est mal donnée, donnée un peu derrière, elle n'a pas pu finir son geste. Paul Turpin à 3, j'ai hésité, c'est Marc Gosselin qui va prendre sa chance à 3 points, c'est dedans. Les 3 points de Marc Gosselin. Ouais, qu'on n'a pas trop vu en première mi-temps. Plus 7 pour Chaland. C'est un joueur qu'on voit surtout peu dans les statistiques parce que c'est un joueur de défense, un joueur d'impact, mais il est aussi capable de scorer quand il en a l'opportunité. Et ballon à nouveau volé. Rachad Davis pour Marc Gosselin à nouveau qui va finir au dunk. Et non, qui la dépose au dernier moment, qui était un peu court. Le Prolac qui attend une solution. Il veut renverser sur Oukaouba, c'est fait. Il demande la pose d'écran de Manor Lax. Et ça ouvre un peu de champ là. Il n'y a personne qui défend sur Oukaouba. Attention,
Ouais. Même Jalen Wright ne lève pas les mains là alors que ça lui passe dans le dos. C'est dommage. Il a trouvé facilement le chemin du cercle. Un début de troisième carton plein d'intensité pour les Chalandais. Qui ont réussi à remettre un peu de d'envie là. Et notamment en offrant Gosselin, un nouveau shoot à 3 points. Cette fois-ci, ça roule sur le cercle. Gosselin qui rate la mire. Ça aurait permis de mettre un plus 10. Sur un Thibaut Alexis là. Assez raté pour lui. C'est défendu par Jalen Wright au rebond. Jérémy Bichard à 3 points, jeu de transition. De l'arc. Alors faudrait les toujours mettre. Toujours pas. Faudrait les mettre. C'est dommage parce qu'il y a des shoots ouverts. Si ça me rentre, Chalon est à plus 10. Mais ça ne rentre pas. Ça va donner l'opportunité aux Sablais d'essayer de retrouver une solution offensive de leur côté. Ouais, on a mis Poca là face à Paul Turpin. Voilà, ça il y a un change complet là. Attention à l'intérieur là. C'est pas du tout. Il y a eu le pic là qui a permis de changer sur le joueur. Mipoca qui passe par-dessus. A cassé main gauche. Ouais, faute technique. Ah, qui applaudit en plus l'arbitre. Attention, on peut en prendre une deuxième sur le coup là. Il n'est pas content de cette décision. Alors, faute technique sifflée donc contre Jean-Michel Mipoca. C'est sa première. Il va falloir qu'il se calme parce qu'il est encore un peu énervé là face à l'arbitre. Il ne comprend pas trop. C'est Paul Turpin qui se présente sur la ligne des lancers. Après, il n'est pas en danger lui au niveau des fautes, donc il n'y aura pas trop de conséquences. Après, Paul Turpin qui sanctionne pas. Malheureusement, oui. Le ballon sera donc chalandais, puisque sur la possession, eh bien Chaland avait le ballon. On va le rendre à Chaland. Et c'est Jérémy Bichard face à Louis Prolac. Il est capable hein, de prendre le Prolac de vitesse. On l'a vu tout à l'heure finir au panier en mettant Prolac dans son dos. Allez, on va redonner la balle dedans à Jarrell White. On préfère jouer à l'intérieur. À nouveau. Encore reprise. Reprise, il n'avait pas posé le ballon. J'ai du mal à comprendre. Il reçoit le ballon, il se retourne. On a peut-être soit pas il vu. A marché, soit. Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est sifflé et le ballon est donc sablé avec Louis Prolac pour Thibaut Alexis. Ça tourne dans le main-à-main là, entre les deux. Il demande l'écran. Attention, ça a switché. Finalement, on est revenu. Luka Wuba, 3 points. Et 3 points, Luka Wuba. Très adroit cet Américain, là, depuis qu'il est arrivé au sable. Et qui ramène à moins 4 les Sablais. Attention, la Bichard qui perd le ballon. Et c'est Luka Wuba qui va finir encore. Il s'est fait postériser Gosselin, là. Il n'a pas pu défendre, là. Il a raté le contre. Et attention, les Sablais sont à moins 2. Après avoir bien démarré ce troisième quart-temps, les Chalandais qui sont un petit peu dans le dur là. Ouais, avec... attention à force de ne pas enfoncer le clou, de ne pas relancer. Il y a des opportunités de tir, mais on trouve pas la mire. Faute de Louis Prolac. Ça sera avant le tir, de toute façon c'était trop long. Le tir à 3 points de Jérémy Bichard. Faute du numéro 18, si j'ai bien vu, c'est bien ça. C'est Louis Prolac qui prend cette faute. Ça sera sa deuxième, ça ne porte pas à conséquence là non plus. On a un double changement avec les sorties de Jalen Wright et Jérémy Bichard. Le retour de Patrick Clérance et Lucas Place. Pas de changement du côté des Sables. On le rappelle hein, qu'on a perdu Greg Lessor, qu'on voit sur le banc avec de la glace. Malheureusement, je pense qu'on le reverra pas. Ah, c'est même sûr. Du tout du match. Absolument. Allez, Lucas Place. Place face à Alexis Thibault. Allez, il défend fort. Hein. Et allez, il va être obligé de prendre le tir. Il est quand même contré. Faute, quand même. Faute sur le tir. Il y aura 3 tirs. C'est une faute sur le 3 points, donc Thibaut Alexis là, qui allait trop dans les appuis de Lucas Place et qui s'en sort bien Lucas Place parce que franchement il n'avait pas réussi à se défaire de la nasse. Et autant je pense qu'il touche le ballon sur le tir, autant il lui retombe dessus après. Il emmène le corps, ouais. Absolument, il retombe complètement dans les appuis. On n'a pas le droit de rentrer dans le cylindre sur le shoot. Sortie de Marco Gosselin, le retour de Gary Berchel et on va avoir 3 lancers de Lucas Place. L'opportunité pour lui de passer Chaland au-delà des 50 points. Déjà 3 fautes d'équipe pour les Sables, 0 pour Chaland dans ce carton, qui présente quand même un bilan comptable faute par rapport à Chaland, qui est quand même important. Les Sables, c'est 14 fautes actuellement, Chaland en est à 6 au bilan général. Un petit tour sur les statistiques pendant ce temps-là, le temps que ça reprenne. Eh bien, on peut voir qu'à l'adresse, Chaland n'en est effectivement qu'à 45, tu as raison Benjamin. 54% réussi pour les Sables d'Olonne. Ils sont effectivement un petit peu plus adroits. Et surtout sur le tir à 3 points, Chaland n'en est qu'à 23.
c'est plutôt peu. Premier tir réussi pour les Sables. Pardon, pour Lucas Place. Encore deux tirs à tenter. Le deuxième également. Lucas Place qui se rappelle au bon souvenir des Sablés. Lui qui a été Sablé pendant deux ou trois saisons. Si je dis pas de bêtises. Au moins deux. Au moins deux. Et qui valide les trois. Et qui salit le public Sablé. Au passage. Ouais, qui le chambrait au lancer franc. Ouais, cette bonne guerre. Cette bonne guerre après tout. Hein. Kaouba. Kaouba qui ressort à l'extérieur. Attention à nouveau Thibaut Alexis dans le corner. On a déjà été sanctionné trois fois là-dessus, heureusement. Ouais, attention, on ne va pas laisser trop d'opportunités comme celle-ci. Thibaut Alexis qui rate la mire cette fois-ci. Les Chalandais s'en sort bien. Parce que c'est un match de traînard. C'est clairement un match de traînard. Ouais, non, là, Lucas Place qui la donne à l'intérieur. Il y a un pied. Effectivement, elle est donnée en bas. C'est normal. En tout cas, elle est sifflée, elle est rendue à Chaland. Qu'elle soit en bas ou pas. Pas facile à voir à vitesse réelle. Les arbitres étaient évidemment mieux placés que nous derrière l'écran. Place. Lucas Place à nouveau. Avec l'écran là qui n'a pas fonctionné. Si. Ah non. Et malheureusement, il n'arrive pas à s'en saisir. La Patrick Clérance, elle était donnée basse. Pas facile avec les mains actives de Louis Prolac qui gêne. Ballon est rendu au Sable d'Olonne. Louis Prolac pour la mise en jeu. Chaland qui n'arrive pas à creuser l'écart malgré des bonnes séquences, mais ça laisse toujours les Sables dans le match. Patrick Clérance là, qui est intercepté. Coupé. À place. Paul Turpin à 3 points. Il les aime, ceux-là, il les aime. Davis au rebond. Il va y retourner, non, il préfère ressortir. Lucas Place à 3 points. Et c'est dedans pour lui de Lucas Place. Et 6 points là en l'espace de 2 minutes pour Lucas Place. Attention là, il y a l'ouverture. Manor Lax qui va ressortir. On lui donne du champ. Il va prendre le shoot. Et il sanctionne Rob Ouba ou Kaouba, je vais le dire dans l'ordre, qui sanctionne les Chalandais, encore 3 points. Kaouba hein, qui reprend fort là cette deuxième mi-temps, qui est déjà à 19 points. C'est clairement le meilleur marqueur de cette rencontre. Du côté de Chaland, les deux c'est les Davis et Gosselin avec 11 points. Et ballon perdu là. Ballon sablé. Ouais, dès que Chaland prend un peu d'avance, immédiatement les Sablés répliquent en sanctionnant Paul Turpin qui laisse sa place avec le retour d'Anthony Prunière. Elle est la remise en jeu effectuée par Oukaouba. Tu l'as dit, hein, 19 points ce soir. C'est le Sablé en vue. C'est peut-être la pièce angulaire hein, qui manquait à cette équipe des Sables depuis plusieurs semaines et qui avait fait le début de championnat était un petit peu compliqué. 2 points et la faute. J'allais dire les deux dangers majeurs de cette équipe, c'est Oukaouba et Mipoka qu'on voit à l'œuvre, qui met le panier plus la faute de Gary Berchel. C'est bien ça. Et ça sera la deuxième de Gary. Ah, ça sera coup pour coup dans ce troisième quart-temps, Sébastien. Ouais, on les laisse pas partir, hein, vraiment les Sablés là, qui sont vraiment extrêmement proches au scoring. Et qui veulent tenter leur chance jusqu'au bout ici à Vrignaud, dans une belle ambiance vendéenne, puisque les deux équipes se sont réunies aussi bien sur le parquet que dans les tribunes. Bien malin, c'est celui qui sera à prédire laquelle de ces deux équipes finira devant ce soir. Les Sablés qui ne veulent rien lâcher. Mipoka au premier lancer, enfin au lancer pour le N1 qui valide et qui ramène donc qui tremble pas. Les Sables à une seule possession. Oh, attention. Faute offensive de Gary Berchel. C'est la troisième, attention. Il va falloir jouer un peu le coaching. Troisième faute sanctionnée immédiatement là. Et on va avoir un temps mort demandé par Chaland. Et c'est les Sheridals qui vont arriver sur le parquet pour cette chorégraphie. Allez, les Sheridals donc à l'image.
les coachs qui redonnent des consignes là, parce que c'est vrai que les Chalandais étaient bien partis dans ce début de troisième, et puis encore un petit passage à vide qui a permis au Sable de revenir et de recoller une seule possession, 55-53. À l'image de la première mi-temps, premier quart-temps Chalandais, puis les Sables qui revient dans le deuxième quart-temps, ben, on est sur le même schéma dans ce troisième. Oui, la vérité est au bout du couloir, comme diraient certains, mais elle est surtout dans le quatrième quart-temps. Attention à ne pas se faire de frayeur là pour les Chalandais. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un match de traîneur, c'est qu'à la fin, en général, le traîneur, eh bien, il repasse devant. Et ça, ouais, on n'aime pas ce genre de vilaine surprise. C'est pas parce qu'on fait la course en tête qu'on prend le match toujours, à l'image de la preuve du match contre Berck, où on a été mené au score tout le match, et on prend le match juste dans les trois dernières minutes. Alors évidemment, pour le spectacle, c'était pas terrible, mais bon, ça finit bien pour les Chalandais dans ce match-là, face à Berck. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, tu as raison de le souligner. Et là, il a mordu dans la feinte, et Lucas Place qui contre ce ballon. Attention, là, il y a de la place pour Manorlax. Ouais. Oh, il y a la limite du marché. Ouais, puis il y a la limite de prendre la quatrième, peut-être. Points, mais bon, ça fait gamelle. De toute façon, c'était après les 24. Allez, le ballon rendu au VCB. Puisqu'on est allé au bout des 24 secondes pour les Sablais, qui n'ont pas trouvé la solution de tir. Avec une bonne défense de Lucas Place, qui a mis la petite mimine là sur l'interception, empêchant Louis Prolac de prendre sa solution de tir. Davis. Oh là, il y a un coup dans ça faille dedans, ouais, entre Clérance et dans le nez là. Manorlax. Patrick Clérance qui l'a pris, ça se jouera pas à l'intérieur là, il va falloir jouer et trouver une solution intérieure. Attention, parce qu'il reste que 5 secondes maintenant. Et il va être obligé de le prendre. Parce qu'il l'a vu. Oui, il l'a vu. Il l'a vu, mais il shoot forcé, une... c'est compliqué. Ouais, tire complètement, il était obligé. Forcé. Il n'est pas content de la solution qu'on lui a proposée là au shoot. L'hypocac est tombé, mais il est relevé. Prolac. Prunier qui est un peu en retard. Il s'est fait dépasser là par la vitesse. Déplacement latéral, ouais. Là, il est parti vite dans le drive et il a été pris de vitesse première par Prolac. Allez, on a un changement prévu avec le retour de Paul Turpin. La sortie de Louis Prolac et le retour du numéro 5, Noah Goudoussina. Du côté de Chaland, c'est Davis qui sort, qui laisse sa place pour Paul Turpin. Nipoca pour Sinagoudou. Goudoussina, pardon. Goudoussina, ouais, qui mieux. A bien trouvé Manorlax. Attention, sur le rôle. Dans la feinte. Il n'y a pas faute, non, ça aurait pu. Et voilà les Sablais qui reviennent sur le score de parité, 55 partout. Alors qu'il y avait plus 6 ou 7 tout à l'heure. Tout est à refaire pour les Chalandais. Jusqu'à plus 9. On va essayer de retrouver une solution dans le main à main. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de décalage qui se crée. Ça a changé, on essaie de retrouver Patrick Clérance. Il y a une faute de Patrick Clérance. Non, vraisemblablement pas. À lui qui a pris un coup là. Là où ça fait mal. Ouais, mais la première faute a été sifflée à. J'ai pas vu qui a pris cette faute, on va le savoir tout de suite. Sur le tableau des scores, c'est Ukaouba qui prend cette faute, le numéro 25. Et qui prend sa troisième surtout. Et qui prend sa troisième faute. C'est encore un peu tôt pour le coacher, mais enfin il faudra quand même surveiller. Est-ce qu'il faudrait pas le sortir? Ouais, est-ce que, pour finir le troisième quart-temps, on verra quel est. Est-ce que Denis Mettet va prendre le risque de lui faire prendre sa quatrième? Les Chalandais ont intérêt à jouer ça. Paul Turpin, c'est très court. Très court. Elle est peut-être touchée, même cette balle. Goudoussina, attention, là, il y a du monde dans l'intérieur. Il y a mismatch, ça renverse à 3 points. Goudoussina à 3 points dans le corner. Ouais, et voilà, c'est dedans. Et voilà, les Sablais qui virent en tête à plus 3. Et les Chalandais qui n'en mettent plus un. Va falloir se réveiller. Le temps mort Chalandais n'a pas donné grand-chose là. Gary Berchel, à 2 points. Il roule sur le cercle. C'est un petit peu court. Et les Sablais qui vont sûrement trouver tout de suite une position de shoot à l'intérieur. Parce que là, il y a Mipoca sur Turpin. Heureusement, c'est raté, mais on aurait pu être sanctionné. T'as moins 5. Alors, il va falloir jouer du coaching. Voilà qui est fait. Sébastien Lambert qui prépare ses troupes avec 3 entrées pour reformer le 5 majeur. Et Turpin qui y va, qui drive, c'était difficile. Main droite. 2 points sur la planche, magnifique de Paul Turpin. Et on retrouve Goudoussina avec Manorlax. À l'intérieur, faute de Patrick Clérance sur le tir, il y aura 2 lancers. Ouais, il était en retard là-dessus, il y a, à part mettre la main, là, il n'y a plus grand-chose à faire. Et on a du mal là sur les collaborations de pique. Allez, changement avec la sortie de Clérance et le retour de Wright en poste pour poste. La sortie de Bichard, l'entrée de Bichard et la sortie de Place
en poste pour poste. Et enfin, la sortie de Berchel avec l'entrée de Gosselin en poste pour poste. On va essayer de redonner un peu de vigueur à l'intérieur avec les mains actives de Joel Wright dans la raquette, qui peut-être prendra ses solutions de shoot proche de l'arceau. Et attention, il y a du monde en face, notamment Manor Lax et Mipoca. Premier tir raté, le deuxième également, mais là attention au rebond. Mipoca qui a pris le rebond, fait qu'il remette dedans. Et qui sanctionne immédiatement, deux points supplémentaires. Ouais, ça fait mal pour les sables. Ah oui, prendre un rebond comme ça, un rebond off, les Chalandais là, c'est compliqué. Première qui prend pas le tir, il est pris right, mais c'est Jérémy Bichard qui est un peu long là. Toujours pas, Première à l'opposé. Et qui est contré, mais il y aura faute. Faute de Kaouba qui va prendre sa quatrième. Eh oui, il fallait le coacher, il a pas été coaché, il prend sa quatrième cette fois-ci. Il va rejoindre le banc, c'est évident, Denis Mettet va pas prendre le risque de le laisser là. Et ça va faire sortir du match. Le premier scoreur sablé avec le retour du numéro 0. Joris Badeau qui va donc remplacer Rob Okaouba. Peut-être une petite lueur d'espoir pour les Chalandais. Ça nous arrange, hein, on va être honnête. C'est sûr. Quand le meilleur scoreur prend 4 fautes et sort assez vite avant même la fin du troisième quart-temps, ça ne peut qu'aider. Et en plus, ils ont perdu Greg Le Sort, hein, faut le rappeler sur blessure. Malheureusement. Ouais, il va falloir essayer d'insister encore un peu plus, même côté Chalandais. Si j'arrive à provoquer une faute supplémentaire de Manor Lax, peut-être. On revient à moins 1 pour Chaland. Alors qu'il reste 37 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Lucina essaie de trouver une solution de shoot. Il est défendu par Gosselin. Ça change sur l'écran. Ouais, duel. Il est pris là. Voilà. Ah, la passe. Magnifique. Elle est belle. Mipoca qui coupe. Et deux points réussis, facile, complètement ouvert. Il restera 16 secondes dans ce carton. Et les Chalandais vont jouer la montre jusqu'au bout. Pas tirer trop vite, pas comme tout à l'heure. Quand Lucas Place a pris son shoot un peu vite à la fin du deuxième. Ouais, Jérémy Bichard. Il n'a pas trop de solution. Obligé de trouver une solution. Il faut le prendre. Tir tendu, ça roule sur l'arceau, c'est raté. Et on retourne sur le banc pour la fin de ce troisième quart-temps, 59-62, plus 3, après cette coupe de Mipoca là, qui remet un petit écart et qui, pour la première fois, permet au Sable de terminer un quart-temps en tête, 59-62. Allez, on file sur le banc chalandais pour écouter les consignes du coach Lambert, le coach chalandais. Hey, on les alimente. We give so many points. Offense rebound, mistake on help. Les petits détails, c'est nous qui les alimentons. Tranquille. Discipliné. If we stop in defense, we can run, we must run for the rhythm. But, ok, patience ici. Derrière, we can play. Two for put the ball. Inside a good shot. Two. Ok. On. Play loud. Dive quickly, work in the paint. Four. Ok. We can play. Four. Ok. Here. Là. Si ça anticipe, tu plonges direct. Et direct, calm down. On the low post. Stay positive. Allez. Allez les gars, on va la prendre. C'est un derby, hey! Allez, retour au jeu après ce carton où les Chalandais auront fort à faire, mais il reste 10 minutes, rien n'est perdu. Et comme tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, Benjamin, c'est pas parce qu'une équipe est en tête qu'elle va gagner le match, donc tout est encore possible. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il faut bien démarrer ce carton et puis surtout trouver le chemin à nouveau du cercle, ce qui n'a pas été le cas dans cette fin de troisième. Hein. Ouais, 24-17 dans ce troisième carton pour les Sables. Et le coach d'ailleurs de Chaland l'a bien dit, hein, on alimente les Sables en ballon. C'est un peu de la faute des Chalandais tout ça. Ouais, qui a demandé un peu plus de rigueur et de discipline, notamment en défense. Et peut-être aussi dans l'exécution des formes de jeu en attaque. Ouais, on perd le ballon. Il y a une faute de Goudessina au sol qui a pris
Bichard sur le move. Ah, c'est compliqué là, mais ça va redonner le ballon au Chalandais avec la remise en jeu effectuée par Paul Turpin. Pour l'instant, le derby tient ses promesses. Ce derby vendéen sur les chaînes de Télé-Vendée avec un score accroché. Premier ballon donc remis en jeu. Attention, Jay Wright qui se fait prendre les mains. Non, allez, ballon qui touche le, la jambe. Parce que c'est Klein qui la sort, Thomas Klein. Voilà, exactement. Il restera 14 secondes de possession à nouveau. On va les redonner. Ballon Chalandais. Bichard. Bichard qui ne trouve pas la possibilité de la donner Paul pour Turpin à 3 points. Wright. Et Paul Turpin, s'il prenait feu maintenant, il nous faut un joueur clutch. Il nous en faut un. Et Chalon 62, score de parité avec les Sables d'Olonne. Donné à l'intérieur, attention, encore, l'axe, mais pas ballon à saisir du ballon. Il avait déjà les yeux ailleurs, il n'a pas réussi à se saisir du ballon. Elle était donnée assez haute en même temps. Attention, la remise en jeu là. La remontée de balle effectuée par Jérémy. Et cette salle de Chalon qui pousse les joueurs du VCB. Donné à l'intérieur pour Gosselin qui ne peut pas la donner. Il y a faute. Faute sifflée à Christopher Manorlax. Voilà la troisième faute recherchée. Et qui effectivement commet cette troisième. Lui qui est auteur de 9 points. Et l'assistant coach qui dit à Denis Mettet, c'est sa troisième. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit de le laisser. Alors, c'est vrai qu'il était plutôt placé. Il a poussé son vis-à-vis, hein. C'est sanctionnable. Ouais, la balle sera Chalandaise. Je pensais qu'elle allait être rendue au sable celle-ci. Ouais, ouais, c'était limite. Hein. Manorlax la touche, certes, mais Wright est tout près de la toucher, je pense. Elle est quand même Chalandaise. Paul Turpin. Paul Turpin qui a fait l'écart, il a pris de vitesse. Wright qui peut se lever. Mais qui se fait cueillir par Manorlax. Il n'a pas réussi à aller finir le move. Il prend le shoot à 3 secondes. C'est raté et le rebond qui sera sablé. Puisque c'est Thomas Klein qui s'en saisit. Attention, il va aller vite au cercle. Elle est donnée à Goudoucina. Et on va reconstruire tranquillement du côté des sables. Non, il a pris l'espace, il l'a trouvé. Ça renverse. Joris Badeau à l'opposé. 3 points dans le corner. Et ça met 3 points. C'est validé, Joris Badeau. Plus 3 pour les sables. Bichard à nouveau. Dès que les Chalandais font quelque chose d'à peu près correct, malheureusement, les Sablais en répondent immédiatement avec un shoot sanctionné à 3 points ou à l'intérieur. Attention, parce qu'il reste encore pas beaucoup de temps. C'est un shoot compliqué, trop compliqué. Et Gosselin qui n'arrive pas à s'en saisir. Et Jérémy Bichard qui est venu là, en vieux renard, qui est venu chipper ce ballon. Il attend que ça se reconstruise. Et c'est Turpin qui prend l'espace. Qui retourne. Et deux points, panier accordé. 2 points, le Paul Turpin qui va mettre le feu ici dans la salle Michel Vrignot. Et avoir l'opportunité d'en rajouter un sur le lancer. Chalon qui recolle quasiment à moins 1 avec l'opportunité de repasser sur un score d'égalité. Sortie d'Anthony Prenière, retour de Rajda Davis. Le N1. Tir tenté donc. Alors qu'est-ce qu'on attend? Voilà, on attendait la table. C'est validé et on va pouvoir effectivement maintenant. Paul Turpin qui a l'occasion de remettre les deux équipes à égalité et ce sera raté pour lui, un peu trop long. Exactement, et c'était la troisième faute du numéro 10 à Thomas Klein. Goudoucina qui a pris l'espace, il préfère la ressortir. Attention, tout à l'heure on en a pris dans le corner. C'est Thibaut qui ressort. Badeau qui pénètre, il est rentré. Distribution Manolac, joli passe. C'est bien défendu là de la part des Chalandais et les 4 en défense qui permettent de récupérer le ballon puisque Manorlax a commis le marché comme il est réparable. Ouais, qui avait bien été cerné en défense par plusieurs joueurs chalandais qui ont provoqué ce marché. Bichard. Possibilité de repasser devant si cette possession va au bout.
Gosselin cherche à l'intérieur Davis. Davis, voilà qui est fait. Servi. Davis qui est bien défendu. Joel Wright, il n'a pas d'autre choix. Il va falloir shooter parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps. Il l'avait vu, Paul Turpin, mais il shoot au buzzer à nouveau. Shoot au buzzer, et cette fois-ci, c'est un peu long. Goudoucina qui est défendu par Bichard. Attention, il aime bien pénétrer, hein, Goudoucina. Bado qui est défendu par Turpin. On renverse dans le corner pour Thibaut Alexis. Et à nouveau, 3 points dans le corner. Toujours le même. Les angles à 0 degré, il les adore. Plus 4, plus gros écart du match en faveur des Sables d'Olonne. Gosselin, magnifique le move là avec cette passe en transition à l'intérieur. Ouais, joli backdoor, il était coupé par Thomas Klein. Sur la relation de passe, il joue le backdoor. Bien ça, servi. On revient à nouveau à une possession. Il reste un petit peu plus de 6 minutes 30 à jouer dans ce match. Ouais, Joris Bado qui reprend sa chance, qui en a mis un juste avant. Là, c'est trop long cette fois-ci. Ouais, là, il rate même la mire. Un gros trou d'air. La porte était ouverte. Le courant d'air a poussé le ballon au-delà de l'arc. Et c'est Paul Turpin qui va récupérer cette balle. Mais on a d'abord un changement avec la sortie de Jérémy Bichard. Le retour de Lucas Place. Du côté des Sables, la sortie de Thomas Klein. Et le retour de Mipoca. Chaque fois que Mipoca était sur le parquet, on a eu du mal à le tenir. Faute d'Alexis Thibault qui va prendre sa troisième faute. Et ça sera la quatrième d'équipe. 4 fautes à 0. Ouais, ça va peut-être se jouer sur les lancers francs à la fin. Hein. C'est à souhaiter pour les Chalandais ici. En terre chalandaise, c'est toujours mieux de gagner. Mais je pense que ce soir, on peut dire que le gagnant sera Vendée. Hein. Donc dans tous les cas, la Vendée gagne. Hein. La Vendée basket. Sur les antennes de Télé Vendée, on est ravis de vous faire vivre ces images dans ce derby Chaland des Sables. Jarrell White pour place. Il va mettre un écran là sur Paul Turpin. Il cherche à donner peut-être à l'intérieur, non? Il renverse. Rachat Davis qui avait coupé. Parfaitement, deux fois l'opposé. Parfaitement coupé là. Paul Turpin qui avait vu, qui avait deviné que Davis allait venir dans le backdoor. Attention, ça là. Nous annonce une fin de match. Attends, Mipoca à 2 points seulement. Il avait mordu. Alors, place, là, qui a pris un petit écran là, sur la montée de balle. Elle est donnée à 3 points hein, cette balle. Hein. Ils ont validé 3 points. Wright qui va prendre la faute. Et voilà, ils sont dans la pénalité les Sablais. Alors effectivement elle est à 2 points mais elle a bien été validée à 3 hein, au tableau. Hein. Il me semble que l'arbitre avait annoncé 2 moi là-bas dans le corner. Absolument, hein, absolument. Je pense que il y a un temps mort. Deux, ça vient d'être corrigé par la table. C'était 2 points. Alors, il va y avoir réclamation, j'imagine. On va revenir là, on va appeler les arbitres. Les arbitres à la table pour corriger ça. En attendant, il y a le temps mort. On va vérifier ça, mais je pense que les Sables vont perdre un point. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, c'est corrigé, 68-70. Ouais, confirmé à 2. J'ai pas vu qu'il avait fait la faute par contre Sébastien sur la dernière action. Excuse-moi, j'étais sur autre chose, j'étais en train de regarder justement ce que disait à la table. Et j'ai pas vu non plus. Écoute, a priori ça serait 3ème faute de Thibaut Alexis. Si je dis pas de bêtises. On va voir ça de toute façon à la reprise du jeu. Je sais même pas trop, en fait j'ai pas trop suivi. J'avais les yeux ailleurs. Peu importe, en tout cas ça n'aura 2 lancers francs à suivre pour Jarrell Wright. Pour essayer d'égaliser. Effectivement. Alors, sauf que c'est pas vraiment le fort de Jarrell Wright, les lancers. C'est maintenant qu'il va falloir prouver que je me trompe. Allez, 2 lancers donc qui seront tentés par Jarrell Wright. Ah, il y a discussion là sur le point qui manque au tableau en disant que c'était bien 2 points. Denis Mettet qui attendait l'explication, hein, qui est fait. Et on va revenir au jeu avec Jarrell Wright au lancer donc. Il reste 5:37 à jouer. 5 minutes qui vont être bouillantes ici dans la salle Michel Vrignot.
Premier tir réussi pour Jerry Wright. Deuxième est très court. Et le rebond récupéré. De Wright. Allez, l'occasion pour les Chalandais avec ce rebond offensif d'aller sanctionner immédiatement, donner à l'intérieur pour Gosselin qui se lève. Allez, un peu longue. Et le rebond. Joris Bado. De Bado, Joris Bado. Goudoucina qui donné trouve Jean-Michel Mipoka. De faute de accorder la faute. Gosselin qui commet cette faute. Ça sera sa deuxième. Avec un changement à la sortie de Jerry Wright. Le retour de Patrick Clérance, la sortie de Gosselin. Et le retour de Gary Berchel. Mipoka qui se présente donc pour valider ce N1 lui aussi. Et remettre un peu d'écart, ce qui est le cas. Voilà, les Chalandais à deux possessions, 69-73. Ah, les Sables qui restent un petit peu en pressing tout terrain. À mon avis, c'est plus pour gagner du temps de défense sur les situations du jeu de demi-terrain. Lucas Place, main gauche, mais qui se fait. Il s'est fait cueillir en haut. Ouais, effectivement. Et c'est une faute du numéro 92, Thibaut Alexis, qui prend sa quatrième. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque de le laisser sur le terrain à 5 minutes ? Oui, apparemment. On va déjà faire les lancers, on verra après s'il y a changement. Mais je ne pense pas pour l'instant. Lucas Place. Tir validé. Ça ramène donc Chaland à une grosse possession. Et le deuxième également. Mipoka pour la mise en jeu à destination de Goudoucina. Attention. Alexis Thibault qui va provoquer la faute de. Alors Gary Berchel vraisemblablement. Serait sa quatrième. Je sais pas, ça se joue entre les deux alors. Non, c'est Gary Berchel qui prend sa quatrième. Ouais, ça nous aide pas. Pourtant, les Sablés sont dans la pénalité. Tir un peu court là. Les Sablés sont dans la pénalité. On n'en profite pas sur la ligne des lancers en ne faisant pas provoquer de faute à l'intérieur. C'est bien dommage. Ouais, il faut essayer de jouer au maximum là-dessus. Continuer à garder de l'agressivité. Deuxième tir qui est court également. Et le rebond de Gary Berchel justement. Sans forcer le jeu pour autant. C'est Davis qui prend les choses en main là pour cette remontée. Berchel pour Place. On va remettre le jeu en place avec l'écran là de Clérance à l'intérieur. Ah, c'est dommage, là ça roule sur le cercle. Ballon récupéré par les Sablés. Gary Berchel qui n'a pas fini à finir ce move. Qui n'a pas réussi à finir ce move. Ouais, pas de réussite sur cette situation. Attention dans le corner, Joris Bado. Il en a déjà mis un tout à l'heure. Attention là pas. Oh, Lucas Place là qui. Anti-sportive. Il est d'ailleurs à deux lancers. Lucas Place qui obtient cette faute là de la part de Goudoucina. Les changements avec le retour d'Uka Wuba, la sortie de Goudoucina, le retour de Louis Prolak et la sortie de Joris Bado. Alors statistiquement, on en est toujours un petit peu au même point, puisque les Sablés sont toujours plus adroits avec 59% alors que Chaland est à 41%. Et du côté des fautes perdues, des ballons perdus, c'est clairement les Sables avec 18 ballons perdus contre 11 pour Chaland. Qui donne des ballons deuxième chance aux Chalandais, mais qui pour l'instant n'en profite pas puisque les Sables sont toujours meneurs de ce match. Lucas Place, le numéro 20 Chalandais, 9 points déjà ce soir. Attention à la mise en jeu, on a un temps limité, voilà qui est fait.
place. Est-ce qu'on va réussir à donner à l'intérieur? Toujours pas. Gary Berchel qui va retrouver. Il trouve Davis. Davis qui passe en reverse. Ah, mais c'est dommage, ça roule encore sur le cercle. Davis qui n'arrive pas à concrétiser. Quel malheur pour Davis qui avait fait le boulot en faisant la coupe. Allez, Prolak avec Mipoka qui va essayer de jouer. Faute Patrick Clérance. De Patrick Clérance. Qui va faire faute. Ouais, qui bouge sur ses troisième. Appuis. Ça m'échalant. Trois fautes d'équipe. Les Sablés sont toujours dans la pénalité. Les Chalands qui ne profitent pas vraiment de ce bonus. La troisième faute, effectivement, de Patrick Clérance. Allez, changement avec le retour de Gosselin. Ouais, Sébastien Lambert qui s'adapte, hein, qui va jouer plutôt avec des joueurs intérieurs mobiles. Essayer de donner de la dynamique et de la vitesse à l'intérieur face à Mipoka. Ouais, mais Denis Mété qui fait re-rentrer du coup. Manerlax fait re-rentrer immédiatement Patrick Clérance. Ah, mais il faut patienter un petit peu. Ça sera le prochain arrêt de jeu. Ce qu'il a été demandé après. Ouais. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'on préfère faire rentrer Patrick Clérance du côté chalandais, qui en est à trois fautes, alors que J.L. Wright, c'est une seule faute seulement. Oukawuba, qu'on retrouve. Il va essayer le petit hook, non ? Face à Paul Turpin. Et il le met. Et à nouveau, plus 3 pour les Sables d'Olonne. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce match. Donné à l'intérieur, Gosselin pour Berchel qui peut se retourner. Oui. 2 points. Qui n'est pas défendu par Mipoka là. Et 2 points à l'intérieur dans cette coupe. Les relations de jeu à 3. Prolak. Pour Oukawuba, on donne sur Prolak, on distribue, il va y avoir une pause d'écran, non. Oukawuba qui va essayer de percuter sûrement. Non, on va essayer de retrouver Mipoka face à Paul Turpin. Ah, et là, il y a mismatch complet, là, il va falloir défendre à deux. Là. Il faut venir dessus. Fadeaway là, de Mipoka, c'est raté. Par Gosselin, rebond. C'était compliqué. Les Chalandais qui ont l'occasion de repasser devant. 74-75. Mais faut-il encore aller au bout de cette action et de cette possession? Ça a souvent été le cas. Mais pas toujours. Chaland, des fois, il y a eu du mal. Et c'est Berchel qui prend le tir à 3 points. Mais ça rebondit dessus. La petite claquette. Oh, et ça ne rentre Davis toujours pas pour chance. Davis. Ça fait 3 fois. Pauvre Davis. Ça roule autour et ça ressort. À croire qu'il y a du savon sur le bord de l'arceau. Et il n'arrive pas à valider. Mipoka à 3 points. Oh, la sanction aurait été terrible pour les Chalandais là. Heureusement, c'est raté. Un tir rapide qui n'est pas validé. Turpin qui se lève à 3 points. C'est lui le joueur clutch là, de cette équipe. Eh oui, qui fout le feu là ici à Vrignot, le magicien Turpin qui permet à Chaland de repasser en tête. Va falloir tenir attention, là, attention. Mipoka face à place, il pourra pas défendre. Ouais, ça vient aider, mais Manorlax qui. Alors on rend le ballon là, puisque la balle, mais elle sera rendue. Berchel l'avait bien récupéré, mais malheureusement il sort avec le ballon. Allez, il reste 2 minutes. On va rentrer. Ça s'annonce chaud, Sébastien, cette fin de match. Ça s'annonce chaud, la salle se lève, on va rentrer dans le Money Time. Et il va falloir pousser ces deux équipes vendéennes à un petit peu plus chaland, puisque ici la salle est clairement acquise aux couleurs du canard. Prolak sur Mipoka. Mipoka il ne peut pas donner le ballon. Il ne peut pas la donner. Il y a Clérance qui est en obstruction. Et c'est lui qui récupère cette balle. Possibilité pour les Chalandais de remettre un petit écart. Faute technique. Faute technique au banc. Au coach. Alors j'ai pas compris pourquoi, j'avais les yeux sur les joueurs. Parce que Denis Metter a réclamé un pied sur l'action précédente. Ah, ça fait pas les affaires des Sablettes, prendre une technique maintenant à 1 minute 44. Offrant les lancers. Cette fin de match va être chaude, Benjamin, n'est-ce pas? Allez, les lancers. Oui. Les lancers. Lucas Place qui, comme depuis le début, ne tremble pas sur la ligne des lancers. Ouais. Permet de prendre un mini avantage. Et la possession sera rendue à Chaland. Lucas Occasion Place. Pour créer encore un petit peu plus d'écart. Lucas Place, c'est 20 points ce soir. 10 points, pardon, ce soir. Numéro 20, 10 points. Paul Turpin qui demande l'écran, il veut sanctionner d'un 3 points, on sait qu'il les adore. Ouais, il va devoir jouer. Il va vouloir jouer le mismatch en mobilité face à Manorlax. Il a pris l'espace, main gauche, c'est raté. La balle sera rendue au sable. Au sable. Ça paraît réaliste puisque c'est bien
Patrick Clérance qui la sort. C'est tout à fait ça. Chaland peut encore donner une faute. Mais les Sablais vont avoir l'opportunité de resserrer un petit peu. La sortie de Manorlax, le retour de Thomas Klein. Temps mort demandé par ELSVB. Ah, voilà, on va rejoindre le parquet pour aller voir notre banc chalandais et les consignes du coach Lambert, Sébastien Lambert, pour la minute 29 qui nous reste. On va sur, et on file sur le banc. Hey, oh, hey, 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 on peut switcher, we can switch, ok. Stop with the switch. Hey, we switch, switch, ok. Hey, 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 hey. If they play, mismatch, mismatch, back to the basket, back to the basket, okay? Now, no middle, and drop. Don't try to steal the ball, okay? Protect, oh! Hey, two avec les deux quatre, okay? Si la balle elle est là, pick and pop et on libère, c'est bon? Bon, je sais pas si t'as compris quelque chose, Benjamin, à ces consignes. Non, t'entendais pas grand chose. C'était compliqué, il y avait trop de bruit dans la salle. C'était... Je sais pas si les joueurs eux-mêmes ont pu entendre ce qu'a dit le coach, hein, tellement le niveau sonore était élevé. Tellement il y a de l'ambiance ici. Tout le monde veut voir son équipe gagner. Mais il y a plus de Chalandais, alors est-ce que ça suffira à faire le sixième homme? Vraisemblablement. En tout cas, on l'espère pour les Chalandais. Mais les Sablais ne sont pas en reste et ils vont tenter tout de suite de resserrer l'espace qui les sépare. Mipoka, oh ouais, qui est bien défendu par là. Gosselin, mais malheureusement il finit le move, hein, parfaitement exécuté là de Mipoka, très joli. Gros shoot. Pas facile, avec une belle défense pourtant de Gosselin qui lève bien le bras, sans commettre de faute. Lucas Place pour Davis. Davis qui demande l'écran, il veut prendre de vitesse son vis-à-vis, il est pris. Il va jouer là dans le poste-up. Il va le jouer, il va le jouer. Et toujours pas, mais c'est, il est maudit Davis. Il est maudit quand ça veut pas, c'est dingue. Ouais, ça fait deux tirs là où. Ça fait quatre en tout. Hein. Quatre là depuis le début du quatrième quart-temps. Mipoka qui y retourne. Faut. Et deux points de Mipoka. C'est lui qui sanctionne. Et temps mort demandé par Chaland. Eh oui, parce que Chaland vient de se faire doubler là, deux paniers consécutifs. Il reste 47 secondes de jeu. Ouais, on de profite plus 3 pas, à moins 1. Eh oui, et on profite pas de la pénalité Sablaise là qui est toujours dans la pénalité avec ses 5 fautes. Et malgré ça, on va pas trop sur la ligne des lancers. Malheureusement, là, les Sablais qui revirent en tête. Et Chaland qui se fait déborder en sortie de temps mort, là. C'est deux fois par Mipoka. On sait que c'est un joueur qui est capable de prendre le match à lui tout seul. Hein. On n'a pas trop vu en première mi-temps, qu'on a plutôt bien tenu, Sébastien, mais qui est déjà là à 20 points également, qui vient de marquer deux paniers consécutifs. On a bien vu le système de Denis Mété, hein, s'était préparé cette action là en sortie de temps mort. Tout à fait. Et malgré la belle défense de Gosselin, ça n'a pas suffi. Et ça tient à pas grand chose, hein, deux ballons qui tournent autour d'un côté, deux paniers de l'autre. Ça permet au SAP de reprendre l'avantage de plus 1. Allez, il restera un peu plus de 45 secondes pour trouver la solution. Et à l'image un petit peu de Mike James à Monaco, capable de prendre les shoots vraiment de très importants. C'est Mipoka pour l'instant qui prend ce rôle dans le Money Time. Et pour l'instant, c'est bien les Sables qui sont en tête. Gosselin qui percute. Gosselin qui va. Ça roule sur le cercle. Qui va provoquer. Faute offensive de Marc Gosselin. Il restera 28 secondes. Ils peuvent jouer la possession pleinement. Je ne vois pas comment ils peuvent faire faute offensive si le joueur est dans le demi-cercle. Non, le joueur est à l'extérieur. Il a les pieds
devant le demi-cercle, Benjamin, sur le replay. Temps pour moi. Vitesse réelle, j'aurais dit dedans, mais au ralenti, on voit clairement qu'il est devant. Donc suffisamment devant, en tout cas, pour que l'arbitre sanctionne une pour qu'il puisse y être. Faute offensive plutôt qu'une faute défensive. La remise en jeu avec une presse tout terrain là des Chalandais. Est-ce que ça suffira? On renverse. Et ballon. Oh, la limite d'être chippé, mais c'est raté. Oukawuba qui va pouvoir faire la remise en jeu. Elle est rendue au Sablé, cette balle. On a essayé de couper un peu le temps. Il restera 19 secondes. Il y a 4 secondes d'écart entre le temps et l'horloge des 24. On la donne pour Klein. Klein pour Prolak. On renverse. On fait tourner le ballon. Il faut s'en remettre tout de suite en défense. Il faut absolument réaliser un stop. Il n'y a pas le choix là. Faute. Et on décide de faire faute. Alors, malheureusement, on n'en avait plus à donner. Donc maintenant, ça va être sur les lignes des lancers. Et peut-être l'occasion pour les Sables de virer en tête grandement, puisqu'ils sont déjà à plus 1. Peut-être l'opportunité de passer à plus 3, ce qui obligerait les Chalandais à aller chercher le 2 plus 1 ou alors le 3 points pour essayer d'aller chercher une prolongation. Compliqué ça. Hein. Premier tir validé. Attention. Est-ce que les Sablés ont retenu l'adage? Le derby, ça se gagne. Apparemment, ils sont bien partis pour. Il restera 14 secondes pour faire mentir. Et 3 points d'écart. 78-81. Et il reste 14 secondes à jouer. Quelle solution on va trouver? Est-ce qu'on aura une prolongation? J'allais dire la suite au prochain épisode. Eh non, et le prochain épisode, c'est à la fin de ce temps mort. Quelle option défensive en sortie de temps mort pour les Sables? Est-ce qu'on va décider de défendre au risque de prendre un 3 points ou est-ce qu'on va faire faute volontairement pour envoyer sur les lancers? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais quelle affaire! Et si les Sables gagnaient 3 fois en 2 ans face à Chaland, c'est parti pour en tout cas. Et c'est vrai que la dynamique est toujours de celui du côté de celui qui gagne. Mais là c'est vrai que sur le dernier match, c'était plutôt les Sables qui avaient la dynamique. Et ça ferait mal à Chaland là, qui serait repoussé pratiquement à la 10ème place, ce qui permettrait aux Sables de revenir très proche. Ouais c'est ça, on recollerait à une longueur. À une longueur seulement, hein, défaite victoire. Mais il reste 14 secondes et au basket tant que c'est pas sifflé, il y a toujours des opportunités. À qui on va donner le shoot? À part Paul Turpin peut-être. Mais faut-il encore le mettre? Après il y a encore le temps aussi de jouer l'option à 2 points pour revenir. Refaire faute derrière. Allez, cette remise en jeu sera effectuée par Rajta Davis. On l'a dit, 14 secondes. 14 secondes 5 sur l'horloge. Autrement dit la même chose. On renverse. C'est bien défendu par Mipoca qui empêche Gosselin d'aller au cercle. Paul Turpin. Faute sifflée contre le numéro 92 Thibaut Alexis qui prend sa cinquième, qui va donc sortir. On va faire retourner Louis Prolak. Il y aura deux lancers. Mais deux lancers, c'est pas suffisant. Parce qu'après, il restera 8 secondes. C'est quoi la solution, la bonne solution, Benjamin? Même si on mettait ces deux lancers, la position sera donc sablaise, à part commettre faute. Sinon, c'est de rater le deuxième. Pour ouais, espérer. C'est une option, c'est déjà d'essayer de mettre les deux pour recoller au maximum, ou alors de rater le deuxième et prendre le rebond. Ouais, le problème, c'est que la position sera immédiatement sablaise. Bon, on sera condamné à faire faute. Sinon, il faut aller chercher le rebond, là, avec les deux grands que sont Gosselin et Berchel, qui sont très verticaux sur leurs appuis, capables d'aller chipper le ballon. Mais il y a Mipoca, notamment, et le deuxième est validé. Alors maintenant, il n'y a plus le choix, il faut défendre haut. Mais il reste un temps mort au sable. Il reste un temps mort et les Sables vont avoir le en terrain haut. Possibilité donc de se rapprocher du cercle. Et les Chalandais n'ont pas vraiment le choix que de commettre une faute. Si on joue la montre, on est mort. Donc ça va jouer à rien du tout. Au lancer. Ou alors il faut tenter l'interception là sur leur mise en jeu. C'est la seule vraie option là pour les Chalandais. Dans un premier temps, il faut essayer de jouer cette interception. Mais après, il faut essayer de faire faute rapidement. Allez, on file pour sur le banc de. Pour pas laisser trop de temps s'écouler. De Sébastien Lambert. The rhythm with the switch. At this moment, Jérém, tu tiens prêt. Jérém, tu tiens prêt, gros. Ok. Ici. Là. Derrière. Sur la remise en jeu. Sur la remise en jeu. On sera Lucas Jérém.
Lucas Jérém avec Polo à la remise. Ok. Chad. Chad. Laz. Et Garic. Et Marco, tu resteras là. Ok. On vient sur les écrans. Dual screen. On le full force. Screen et pop. On va essayer de jouer un système avec des petits joueurs hein, que sont Lucas Place, Davis et Turpin. Et que peuvent-ils tenter ? Déjà, il faut l'attraper cette balle. D'où la mobilité sur le terrain. La vérité dans 8 secondes 8. Est-ce que les Chalandais ont trouvé la solution ? Pour l'instant, c'est clairement les Sablais qui ont l'avantage. Et ça change partout. Oh. Il restera 5 secondes, on a mangé 3 secondes sur le chrono. La faute est donnée, je pense, à Rachid Davis, évidemment. La faute a été sifflée un peu très tardivement. Tard, exactement. C'est la deuxième faute de Davis. Ça va offrir deux lancers à Mipoca, qui n'est pas le plus maladroit. Mais Chaland aura l'opportunité, peut-être, d'aller tirer à 3 points si Mipoca valide les deux. Pour l'instant, il tremble pas sur le premier. Et 5 secondes pour retraverser le terrain, sachant que Chaland n'a plus de temps mort. Et trouver une solution de shoot, ça va être compliqué. Hein. Et le deuxième est raté. C'est raté, il reste plus que 5 secondes, attention. Il est déjà de l'autre côté. Lucas Place. Qui met au buzzer. Au buzzer, il reste 5 dixièmes. Pour égaliser. 5 dixièmes, attention. Attention, cette fois-ci, on rentre dans un vrai derby, dans le Money Time. 5 dixièmes, ils n'auront pas le temps de tirer hein, de toute façon. Ouais, c'est fini, on aura une droit à une prolongation les amis. On va rallonger un peu le bonheur et le plaisir du basket sur Télé-Vendée. 82 partout, Chaland qui se sauve sur le buzzer ou sur le gong pour arracher cette prolongation. Eh ben, vous vouliez du basket, émotion, vous en avez ce soir dans le derby vendéen. Quoi demander de plus qu'une prolongation Sébastien pour un derby? Bah ben, un derby gagnant. Voilà ce qu'on peut demander. Mais les Sablés en demandent aussi. Quelle belle rencontre finalement. Chaland, il ne restait pas beaucoup de solutions. C'est bien que Mipoca gratte le deuxième et que Lucas Place ait pris feu pour remonter toute vitesse, ce qui a été le cas. Et deux points validés de Lucas Place qui était tout près de se faire contrer sur l'arceau hein, quand même. Ouais, hein, qui était parti en contre-attaque malgré le lancer franc raté de Mipoca. C'était Marc Gosselin qui avait pris le rebond et qui a bien vu Lucas Place partir en contre-attaque, qui l'a bien servi. Et qui permet aux Chalandais d'égaliser et de partir en prolongue. Alors, qui va s'en sortir le mieux à ce petit jeu-là ? Moi, je sais qui c'est le gagnant. Mais, bien malin celui qui disait, tout à l'heure, je le disais ça, bien malin qui saura qui gagne. Au vu du résultat pour l'instant, personne ne veut lâcher. Les deux équipes ont vraiment faim de ballon et il y a encore 8 secondes, j'aurais pas dit ça. Et comme quoi au basket tout peut aller très vite. Alors du coup là on est des deux équipes qui sont dans la pénalité, on va garder ces pénalités, 5 fautes partout, mais il y a plusieurs joueurs du côté des Sables qui en sont à 4 fautes, notamment il y a déjà eu Thibaut Alexis qui est sorti sur la 5ème, il y a Rob Ukawuba qui lui en est à la 4ème, ce qui a scoré 23 points ce soir. Et également le numéro 13 qui a 4 fautes. Manorlax. Qui est Manorlax. Et à noter aussi les très jolis 21 points du numéro 31, Mipoca, Jean-Michel Mipoca. Avantage au sable là, pour repartir. Prolac. Essaye de trouver l'interval face à Mipoca. On va trouver Mipoca qui bien a été défendu. Pris. Et Davis là-bas, qui il y a faute la à l'opposé. Chipper. Non, c'est faute pas de Davis, c'est faute de. Ah oui, il passe par-dessus. Goudoucina. Exactement, il est pris dans son move. Parce que Davis avait récupéré le ballon. Qui avait, Il lui passe par-dessus, il lui fauche la tête, il lui prend la tête. Donc il y a bien faute de Goudoucina. Noah Goudoucina. Et deux lancers. Et deux lancers, évidemment, puisqu'on a dit, hein, en overtime, on garde les lancers. On garde les fautes. C'est la 4ème de Goudoucina. Du coup, il y a 3 joueurs sur le parquet. Si je dis pas de bêtises. Non, je dis les bêtises. Puisque Manorlax est sur le banc. Mais Goudoucina, il me manque qui là ? Et Ukawuba. Oh, ça y est, je l'ai plus. Tu cherches mangé. Rob. Ukawuba. Ukawuba. Ah, dès que ça démarre mal, je donne dans le désordre. Il a raté ? Oui. Ah, il a raté. Zut. Davis donc. Rachid Davis qui rate son premier tir. Le deuxième, pour essayer de repasser devant. Ça faisait longtemps. Et voilà qui est fait.
plus un pour Chalon. Gosselin qui défend sur Kaoubou. Gosselin. Mipoca fait de way. Joli ça. Il se retourne immédiatement et ça c'est fort. Hein. Il prend le tir en fait de way par-dessus le défenseur. Et il repasse devant les sables. Au jeu du chat à la souris. Qui de la souris ou du chat finira par gagner. Gosselin à 3 points. À 3 points. Il est long, il est très long. Mais c'est Berchel. Le rebond de Berchel, non. Elle est. Ah, je la voyais sablaise. Berchel, je la voyais chalandaise, pardon, cette remise en jeu. Ça va tellement vite, on a du mal à le voir. Allez, on revient au jeu parce que c'est important. Kaouba. Kaouba qui ressort le ballon sur Mipoca, encore lui. Là, cette fois-ci, c'est raté, mais il faut prendre le rebond. Et le rebond est sablé. Deuxième chance. Attention, il n'y a personne qui défend là sur. Goulousina, il donne à l'intérieur. Allez, non, là, c'est ballon perdu. Les Chalandais s'en sortent très bien. 3,42 à jouer. Et 83-84. Ouais, attention, on passe sur un volet de ballon là. Paul Turpin qui était vraiment limite. Lucas Place. On pose l'écran. Gosselin qui pose l'écran. Turpin qui prend l'intervalle, oh, c'est compliqué dans le trafic. Berchel. Mais Berchel s'en sort en s'écartant un petit peu. Et trouve la planche, plus 2. Et Chalon qui repasse devant. Et la un première score des deux 85 équipes, là, qui arrivera à faire un stop. Louis Prolac. Ah, 3 points. 3 points. Et Chalon qui menait de 1 point, 85. Et qui prend un éclat à la 85-87 avec ce 3 points. Qui aurait même pu donner la faute à Prolac hein, parce qu'il est parti au sol. Il était sûrement tout prêt de prendre le N1 là-dessus. Qu'on n'a pas trop vu jusqu'alors, mais là qui trouve la mire. Allez, il reste 3-0-7. Qui permet au Sable de repasser devant. Plus 2. 3-0-7 à jouer pour être précis. Et la remise en jeu de Paul Turpin. Alors faut-il encore le mettre hein, pour essayer de revenir là. Attention au stop des Sablais qui vont essayer d'arrêter les Chalandais. Il faut trouver une solution. Est-ce qu'elle va être intérieure ou extérieure? Il va essayer de défier place par sa vitesse. Petit fadeaway, il est court. Berchel avec la claquette. Avec attention Gosselin là. Gosselin en plus. Gosselin qui la ressort pour Lucas Place dans le corner à 3 points. Et ce dedans. 3 points de Lucas Place qui rend l'appareil à Louis Prolac. Et qui permet à Chalon de repasser en tête plus 1. Kaouba. Kaouba qui percute. Faute de Gary Berchel qui va prendre sa cinquième sur cette action. Absolument. Gary Berchel qui va rejoindre le banc. Allez, on va faire re-rentrer Jérémy Bichard. On va jouer plutôt small ball pour s'adapter un petit peu au profil de l'équipe sablaise qui est sur le terrain. Ouais, qui est là pour chipper des ballons et jouer vite. Ça joue plus avec les grands là, à part Mipoca. Kaouba qui en rajoute un, 24 points. Ouais, tremble pas. Les deux joueurs là. Mipoca et puis Kaouba, c'est près de 50 points scorés ce soir à tous les deux. Deux tirs réussis. Et les Sables qui repassent devant plus 1, 88-89. Paul Turpin à 3 points. Tir contrôlé. Marc Gosselin qui la récupère. On préfère ressortir le ballon et reconstruire un système. Gosselin à l'intérieur, non, c'est pas donné, dommage. Ah, Paul Turpin qui a pris l'espace. Tourner, mais... Ballon volé avec les bonnes mains de Mipoca. Attention là. Deux lancers alors que les Sables étaient à plus 1. Ça va donner encore une fois l'opportunité aux Sables de s'échapper. Deux lancers à Goudoucina, faute de Jérémy Bichard. Aïe, 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 aïe. Le ballon l'a volé dans les mains là de
dans les mains de Turpin par Mipoca. Il fait mal, sinon ça finissait au set. Première faute de Jérémy Bichard. Qui avait les mains bien actives là sur cette action. Alors, l'occasion pour donner 3 points. Voilà qui est fait, 3 points d'avance. Au sable. On a changement avec le retour de Patrick Clérance, la sortie de Jérémy Bichard. On le fait re-rentrer pour essayer de prendre Mipoca sûrement à l'intérieur. Mipoca n'a qu'une faute hein, de toute façon. Pour essayer de trouver un point de fixation. Je pense qu'on va ça, peut-être évoluer sur des changements comme ça. Pour prendre l'avantage en attaque, peut-être changer après l'action suivante pour s'ajuster défensivement. C'est Rachat Davis sur Paul Turpin. Ouais, une attaque qui a échoué malheureusement. Davis à 3 points. C'est dedans. 3 points de Rachat Davis. Qui remet les deux équipes à égalité. Sur un score de parité, Benjamin. Qu'est-ce que c'est que ce match? Mais c'est un truc de fou. Est-ce qu'on ira se coucher tôt ce soir? On n'est pas parti pour. Si les deux équipes nous rallongent encore une prolongation. Il faut déjà faire un stop là. Goudoucina face à Paul Turpin. Il essaie de prendre l'intervalle. Ouais, et on a créé l'espace. Et c'est raté. C'est raté, ça rebondit sur le cercle. À l'image de ce que Davis nous a fait plusieurs fois ce soir, au moins 4 fois. Alors Gosselin pour Paul Turpin, il a hésité. Paul Turpin qui prend un peu de recul. Il va demander l'écran de Patrick Clérance. Gosselin à l'intérieur Patrick pour Clérance qui est servi. Clérance, il ne peut pas monter au cercle. Paul Turpin en déséquilibre. Au buzzer. C'est Rachat Davis cette fois-ci, c'est dedans. Qu'est-ce que c'est enfin Rachat Davis qui finit par valider au bord du cercle. Cette fois-ci, ça rentre. Redonnant l'avantage à Chaland à plus 2. Attention, Prola qui va aller finir au cercle. Et oui, en prise de vitesse face à Lucas Place. Et à nouveau. Égalité encore. Égalité 93 partout. Et Chalandais qui avait réussi pour une fois à passer devant. Pour 2 points et qui se font reprendre tout de suite. Il reste 35 secondes. Autrement dit, cette attaque Lucas Place est importante. C'est Rachat Davis qui prend l'autre faute. Qui avait bien suivi une nouvelle fois au rebond. C'est la cinquième faute du numéro 5, Goudoucina, qui va laisser sa place. Et c'est Joris Bado qui va revenir aux affaires. Allez, deux possibilités pour Rachat Davis pour remettre Chaland devant. Attention à la contre-attaque immédiate. Il reste 31 secondes dans ce match. Et le premier tir est validé. Que ce match est serré. On n'en entendait pas moins d'un derby. Hein. De ce niveau-là. Deuxième tir pour Davis. Et qui passe également. Pour Davis. Attention à la remise en jeu. Alors, changement du shoot. Du changement là. Non, pas du shooter. On va changer Patrick Clérance pour Anthony Prunière et temps mort pour les Sables. Oui, temps mort pour les Sables qui est à moins 2 et qui va aller chercher une solution. Ça avait payé tout à l'heure puisque c'est Mipoca dans le corner qui avait réussi à récupérer le ballon et pénétrer immédiatement en finissant en lay-up. Face à Gosselin, est-ce qu'ils vont reconstruire un peu le même système? C'est tout à fait probable, Benjamin. Ouais, on va voir, mais maintenant je me prononce plus trop parce que tout est possible sur ce match ce soir. On subit pas sur Prolac, on subit pas sur Mipoca, faut qu'on les prenne. Par contre, on peut pas se permettre ici de prendre des milieux. No middle on le squad. Allez. Ok, no middle. Protect. Ok, I have one timeout again. Rebound together. Allez. We stay together. Eh oui, il faut rester ensemble jusqu'au bout. Il faut rester dans la cohésion et dans une défense qui, si on réalise le stop, permettrait peut-être à Chaland d'aller tirer une dernière fois. Les Sablais peuvent pas de toute façon trop commettre de fautes hein. Sinon à l'image tout à l'heure de Chaland, c'est prendre le risque. Et de toute façon on aura 7 secondes hein, d'écart entre la fin du temps et la possession. Un petit peu plus parce qu'on part pour 14 pardon, ouais, autant pour moi. On repart pour 16 secondes derrière. Ouais. Donc il y en aura encore une quoi qu'il arrive, mais si on pouvait. Faut pas commettre de fautes parce qu'on sait qu'on est dans la faire pénalité. Le stop. Faut faire un stop sans commettre de fautes, pas facile. On a demandé de changer. Attention
à Prolak, Mipoka également. À 3 points, Mipoka, Mipoka qui rate. Raté. Le rebond. Poteur pas au rebond. Qui obtient la faute. Et l'opportunité pour Chaland de remettre un petit écart à 20 secondes. Et si le match avait enfin viré du bon côté. Oui, mais il reste du temps encore. Hein. Et oui. Il faut surtout les mettre. C'est la quatrième faute de Thomas Klein. On a donc 3 joueurs encore à 4 fautes du côté des Sables. Que ce match est chaud. On se souviendra, quoi qu'il advienne, peu importe le vainqueur de ce derby chalandais, les Sables, VCB les Sables, comme étant un derby de haut niveau. Et comme quoi, il y a du beau basket aussi en Vendée avec ces deux équipes de National 1. Premier tir validé par Paul Turpin qui obligera donc à au moins aller shooter à 3 points pour les Sables. S'il rajoute celui-ci, ça va vite devenir un peu compliqué, mais il reste 20 secondes. Il et le rebond, c'est pour les Sables, rebond, non faut. Alors, il y a quelque chose, là, il y a une faute d'Anthony Prenière qui va donner deux lancers. C'est bien ça, numéro 25, Anthony Prenière. C'est un mal pour un bien, parce que si on va prendre les lancers, certes, mais on va avoir l'opportunité de remonter le ballon après. C'est la deuxième d'Anthony Prenière. Ouais, on aurait pu récupérer un petit peu de temps. Voilà, elle est commise un peu tôt, c'est peut-être le seul problème. Et rechangement à nouveau côté chalandais. Sortie de Prenière. Patrick Lérance qui revient. Oui, parce qu'on a fait rentrer Jaris Bado. Et c'est Thomas Klein qui aura deux lancers francs. Ah, je vois Mipoka qui est en train de boiter. Ouais. Apparemment, cheville gauche ou jambe gauche. Premier tir validé pour Thomas Klein. Allez, l'opportunité là, à nouveau, pour ces Sablais de revenir à seulement une longueur, 96-94 pour l'instant. Et le deuxième qui est validé. Attention, il va y avoir une presse tout-terrain là. Ça va presser très haut. Jaris Bado qui commet la faute immédiatement. Qui ne veut pas manger trop l'horloge. Et si ça se joue au lancer, on l'a dit depuis le début, mais enfin depuis le début du quatrième quart-temps. C'est un peu un jeu de Randy Randa là. Première faute de Jaris Bado. Changement, retour d'Anthony Prenière à la place de Patrick Ferrance. Ça joue le coaching pour essayer d'aller chipper le ballon. C'est dur pour les nerfs, hein. C'est très dur. Premier tir réussi pour Paul Turpin, ce qui remet plus 2. L'idéal c'est d'être à plus 3 et de leur laisser le ballon. Ouais. Pourrait-il pas encore en prendre un, mais et là, ça roule sur le cercle et le rebond de Thomas Klein. Attention, pas prendre à 3 points sur la tête qui crucifierait cette équipe chalandaise. Et il en est capable, Luka Wuba, il l'a fait toute la soirée. Il a pris l'espace. Avec la victoire chalandaise qui va se dessiner. Qui va s'imposer, se dessiner. Quel contre de Rajat Davis. Un dixième. Le contre de Rajat Davis qui empêche Luka Wuba d'aller finir ce move. Ouh, la salle qui exulte avec les sifflets sablés. Une ambiance de folie. On vous l'avait promis, on l'a eu. Chaland qui va s'imposer puisque 97-95 avec deux lancers à suivre. Il restera un dixième sur l'horloge. Victoire donc de Chaland sur le derby vendéen. Chaland les Sables avec un contre magistral de Rajat Davis qui a été depuis le début de la saison exemplaire. Et Chaland qui s'impose donc 98-95 avec cette remise en jeu, c'est terminé. Victoire donc du Vendée Chaland Basket. C'était magnifique. Quel match, Sébastien. Ah oui, un match dont on se souviendra. Victoire après prolongation, non sans mal. Exactement. Mais pour faire un beau match, il faut être deux. Les deux équipes ont été très belles. Belles. Très, évidemment, très on l'a gros dit, match. Ça peut tourner dans les deux sens. Ça s'est rendu coup pour coup. Évidemment, ici, vu qu'on supporte Chaland toute l'année, on est ravis que ça soit plutôt Chaland que les Sables. Mais on aime le beau basket. Ça s'est joué ce soir sur plein de petits détails. Mais les Sables l'emportent finalement, les Chalons pardon, l'emportent sur le score de 98-95. Prochain match, Sébastien, pour les deux équipes, les Sables, il s'agira le 18 novembre de recevoir Chartres pardon, à domicile. Bouge pas, je l'ai là. Déjà on va se déplacer dès vendredi le 17 à Toulouse
Chalon se déplace à Toulouse, ça sera le 17 novembre. Et le vendredi 24, on accueillera Vitré ici, soir de Black Friday. Ça va être chaud. C'est ça. Mais c'est pas grave. Ça sera donc le 24 novembre. Les Chalandais qui exultent sur le parquet, les joueurs qui sont contents, entourés par tout le public et qui exultent dans ce derby haut en couleur et qui nous aura fait trembler jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment super. Il va y avoir le clapping dans quelques instants. Restez avec nous. Et puis, on se retrouvera bien sûr en direct sur la chaîne YouTube du Vendée Chalon Basket dès le week-end du 24 novembre, donc contre Vitré. Et vous pourrez suivre le déplacement comme à l'accoutumée. On vous retransmettra les images également de Toulouse face au Vendée Chalon Basket. Ça sera dès vendredi prochain. En tout cas, je voulais te remercier, Benjamin, de nous avoir accompagnés ce soir. Comme d'habitude, j'allais dire, parce que tu deviens vraiment un habitué de nos parquets. Et ça nous fait plaisir, en tout cas, d'avoir commenté sur Télé-Vendée. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on va rester quelques instants avec les joueurs. Merci de nous avoir suivis, en tout cas, avec les moyens techniques du Vendée Chalon Basket. Je remercierai, bien sûr, aux caméras Pierrick Lucas. Je remercie aussi Sébastien Mériot à la réalisation. Il y avait aussi Olivier. Et puis également sur la partie caméra terrain, Romain qui a passé son baptême du feu ce soir et qu'on remercie d'avoir suivi cette rencontre. On rejoint les joueurs sur le parquet. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup et bonsoir. Bonne soirée à tous.